Bonsoir, merci d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai reçu un nouvel oracle, plutôt de guidance, guidance de l'univers féerique, mais derrière, on nous dit c'est également donc un oracle d'art divinatoire qui est composé de 46 cartes et on va avoir aussi un éveil de conscience, on va recevoir des messages très perspicaces et qui vont nous éclairer sur notre route. Donc on a des elfes, sirènes, fées, licornes vous guideront dans cet oracle à utiliser en art divinatoire ou en éveil ou un message pardon d'éveil spirituel. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu la boîte. Je ne l'ai pas encore ouverte, hein, je viens juste d'ouvrir le plastique. Donc les guidances de l'univers féerique. Donc une petite boîte très sympa, noire dorée. Hop, donc vous avez les petites cartes dans un petit pochon du coup violet, ok. Et vous avez votre petit book, voilà, avec toutes les significations. Donc en fait, vous avez un côté prédiction, d'accord, pour plutôt le côté art divinatoire, et vous avez le côté message pour la guidance. Ok, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Utilisation, donc vous avez des tirages, donc c'est sympa. Et puis c'est parti, après c'est les cartes. On peut prendre des petites notes si on a besoin. Ok, donc guidance de l'univers féerique. Donc le petit livret, on va poser ici et on va regarder un petit peu toutes les cartes. C'est parti. Donc déjà très sympa, parce que vous allez le voir tout de suite. Elles sont dorées, donc déjà c'est un très bon point, elles sont magnifiques. Au niveau du dos des cartes, elles sont très belles, comme vous pouvez le voir, on a un contour noir, des petits motifs dorés et un fond bleu foncé vers un fond un petit peu plus clair avec des petites arabesques en noir. Donc très sympa avec surtout les tranches dorées. Donc on va voir un petit peu quel genre de message avec cet oracle. Ou même voilà, pour prédire l'avenir, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc, par exemple, on a cette première carte, réalisation, grande capacité, satisfaction, démarrage d'un projet. Donc c'est quand même assez clair, on a plusieurs mots-clés, donc si on ne comprend pas avec ça, hein, c'est quand même... Donc la qualité des cartes, elles sont très souples, mais bon, je pense qu'elles ne s'abîmeront pas, elles sont un petit peu... brillante, donc elles glissent hyper bien entre elles, donc voilà. Ensuite, avec cette petite carte là, amour, fusion, union, complicité, authenticité. Donc franchement, c'est vrai qu'on peut regarder dans le book, mais là on comprend déjà pas mal la signification. Une petite sirène, on a la maîtrise, contrôle des émotions de soi, fort caractère, pause, promenade, équilibre, nature, contemplation. Donc c'est la petite carte qu'on trouve sur la boîte. Dans... Ah, attendez, j'en ai pas assez une. Elle doit être collée. Voilà. La semence, patience, cadeau, surprise, soutien, prévision. Donc, ce sont des très beaux dessins. Vous avez ici danser la vie, célébrer, cérémonie, spectacle, fête, épanouissement. Sensibilité avec la bonté, douceur, bienveillance, gentillesse, rayonnement. Et encore une, tac. Création, réalisation, projet, artiste. Vous avez la séduction, grand besoin de reconnaissance, piège, hypocrisie. Voyage, vacances, découverte, partir, mission, guidance, perte de repères, conseil, difficulté à s'orienter. Authentique. Personne entière, vraie, déterminée. La détente, besoin de repos, calme, ressourcement. Très beau. J'adore un peu toutes ces couleurs-là. Hein. On ne s'éparpille pas trop, on est un peu toujours dans les mêmes tons. On a la carte isolement. Prendre du recul, solitude, la réflexion. Alors, elles sont collées. Tac. C'est ça, elles sont toutes neuves. Vous avez la carte de la
patience, avec l'attente, réflexion, pensée. La force, puissance, détermination, compréhension, maturité. Vous avez la carte de la joie avec cadeau, plaisir, amusement, soin et thérapie avec la petite sirène. Oui, ce sont des très belles cartes, hein, très 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 jolies. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez. Donc là, les elfes, rencontre, échange, discussion, timidité. La déception, déception. Alors moi, c'est marrant, sur cette carte-là, j'ai une petite déception. Vous voyez le petit défaut sur la carte? Ah, c'est vraiment bizarre que ça tombe sur cette carte-là. Parce qu'en fait, c'est tout comme si elle est déjà abîmée, en fait. C'est bizarre, bizarre. C'est pas grave. Donc, déception, découragement, perte. Vous avez l'illumination, idée brillante, intuition, clairvoyance. Le combat, protection, défendre ses opinions, défi. Lecture, recherche, études, renseignement, formation, école. Tristesse, déprime, désespoir. Vous avez les pleurs. Ici, donc, une très belle carte, un peu comme un feu d'artifice. Vous avez la réussite avec le succès, accomplissement, diplôme. Le jugement, justice, procès, loi, contrat et signature. Vous avez l'enfant, projet, enfant intérieur, développement, naissance. L'aide, tendre la main, soutien, altruisme. L'orage, colère, tension, nervosité, violence. C'est vraiment un très 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 bon support divinatoire. Et en même temps, deux messages de guidance, top. Vous avez la prise de conscience, l'intuition, esprit ouvert, révélation. Le change, heureux présage, bonne nouvelle, présence féerique. Méfiance, attitude sauvage, inquiétude, suspicion. Abondance, prospérité, joie, amour, santé, cadeau. Âme pure, jeunesse, innocence, initiée, timidité. Ici, vous avez vision lucide, nouveau regard sur la vie, sortir la tête de l'eau. Transformation, renaître, métamorphose de l'être. Vous avez le grand changement. Vous avez la sagesse, initiée, enseignement, homme posé, réfléchi et calme. Conflit, mésentente, incompréhension. Nouveau départ, nouveau cycle, démarrer un projet, commencement. Discussion, réunion, amitié, anniversaire, sociabilité. La solution, ouverture, dénouement, déblocage. Fatigue, avec le repos, épuisement, santé. Alors j'espère que mon chat fait pas trop de bruit à côté de moi, il est en train de jouer avec ses jouets et j'entends la petite clochette là depuis tout à l'heure, c'est un petit peu énervant. Donc j'espère que vous ne l'entendez pas dans l'enregistrement. Ici vous avez la stabilité avec famille, respect, structure, tolérance, envoi du plus petit au plus grand. Vous avez la lettre, document, papier administratif, nouvelle, message. Ici le partage avec les échanges, amitié, complicité. Et sœur, hop, décision, vous avez l'homme, autorité, émissivité, pouvoir. Et la dernière carte, et en plus c'est la carte de la fin, c'est marrant, nouvelle direction, commencement, déménagement, changement. Donc voilà un petit peu, si je ne me trompe pas, donc ouais, les 46 cartes de l'oracle. Guidance de l'univers, un très très bon support aussi bien divinatoire que de guidance. Donc franchement je vous conseille, je regrette pas du tout mon achat. Niveau du prix, si c'est bien ce que j'ai payé sur la boîte, donc c'est 26,90€. Donc franchement tout à fait raisonnable. Bien sûr faut toujours acheter les frais de port hein, comme c'est envoyé directement par la créatrice. Mais voilà quoi, donc n'hésitez pas, si des questions, à m'écrire un petit message. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager. C'est très gentil de m'avoir suivi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!